Il est 13h, l'heure du journal avec Jérôme Bouécas. Et Jérôme, nous nous tournons tout d'abord à l'UAG où l'on soutenait deux thèses aujourd'hui. Et justement, nous avons choisi de nous attarder sur l'une d'entre elles, laquelle s'intéresse au comportement d'un individu et à ses capacités intellectuelles quand il utilise un jeu vidéo ou tout simplement lorsqu'il conduit. Je propose de retrouver sur place Marilyn Plaisir, qui nous en dit plus sur cette soutenance. Oui, bien écoutez, Jérôme, à l'Université des Antilles-Guyane, les cerveaux sont en pleine ébullition. Rien que pour cette semaine, 6 doctorants vont soutenir leur thèse. Alors ce matin, les travaux d'un jeune informaticien ont retenu tout particulièrement l'attention du jury. Alors en quoi consiste cette thèse? Eh bien, ce jeune informaticien a développé un simulateur de conduite pour évaluer l'état d'ébriété des automobilistes. Et puis, il y a aussi ce jeu vidéo qui est destiné aux enfants de 2 à 4 ans pour détecter les problèmes de langage, les troubles de la mémoire, mais aussi les retards mentaux. Alors, je vous propose d'écouter à ce sujet Audrey Robinel, qui est le concepteur de ces outils informatiques. On utilise des jeux sur tablette tactile auxquels les enfants jouent. On collecte des informations sur leur façon de jouer et on utilise de l'intelligence artificielle pour associer ces informations à la problématique à détecter. En pratique, cela signifie que, par exemple, un enfant joue pendant 10 à 15 minutes à un jeu, à une suite de jeux, et que le système est capable de détecter s'il a un retard au QI, par exemple, ou même d'estimer son QI. L'intérêt de cette approche, c'est que pour les enfants, c'est beaucoup plus motivant de jouer à des tests, à des jeux, que de faire des tests classiques. Et le fait est que plus l'enfant s'amusera, plus il aura un comportement normal. Il pourrait être intimidé par des tests, alors que notre approche est beaucoup plus ludique. Audrey Robinel a reçu les félicitations du jury. Son ambition, c'est de poursuivre ses recherches dans le domaine informatique.